Écrivain non croyant, mais fasciné par la Bible, Eri De Luca est né le 20 mai 1950 à Naples. Il est aussi poète, dramaturge, traducteur contemporain et alpiniste émérite. Né dans une famille bourgeoise napolitaine appauvrie par la guerre, Eri De Luca passe son enfance dans le quartier populaire de Montedidio. Il s'est marié à 30 ans à une femme qu'il connaissait depuis l'adolescence et qui malheureusement est morte après 7 ans de vie commune. Ils n'ont pas eu d'enfants. Même si durant 19 ans, Eri De Luca a trimé dur à l'usine et sur les chantiers, il n'a jamais cessé de se nourrir de livres. Eri De Luca a toujours écrit, mais n'a commencé à conserver ses manuscrits que dans la trentaine. Il parle plusieurs langues, dont le français, l'allemand, le yiddish, l'anglais et le russe. Le coup de cœur de cette semaine est pour « La nature exposée », publié aux éditions Gallimard en 2016 et traduit un an plus tard. Voici ce que deux membres du Club des Irrésistibles en ont dit. « Ce petit livre tient plus de la fable que du roman. L'actualité et l'éternité y sont entrelacées de manière étonnante. Un sculpteur ayant été mêlé au périple des migrants au nord de l'Italie est chargé de restaurer une œuvre représentant le Christ sur la croix. Ce court récit amorce plus qu'il ne conclut une réflexion sur le réalisme en art, sur les questions de l'immigration, sur le thème de l'amitié et de la religion. » Quelqu'un d'autre en a dit? Eri De Luca nous dit d'entrée de jeu que la nature exposée est un récit théologique. N'ayez crainte, c'est d'abord et avant tout une très belle histoire qui reprend les thèmes chers à l'auteur. Dans ce roman écrit au jeu, le narrateur solitaire, un sculpteur italien fin cinquantaine et le jumeau d'un frère décédé à l'âge de 6 ans, emporté par un courant alors qu'il pêchait la truite. Il ne croit pas en Dieu, mais a déjà cru en l'amour, une femme qu'il a beaucoup aimée et qui fut son point d'ancrage. Sa maison est la dernière du village. Il habite non loin de la frontière, au pied des montagnes dont il connaît tous les recoins. L'été venu, il vend des sculptures en bois et en pierre qu'il a façonnées durant la période hivernale. Il est artisan et ne se considère pas comme un artiste. Le reste du temps, on le contacte pour rabibocher des sculptures, surtout celles que l'on retrouve dans des lieux saints. Son village en est un dôme, les femmes ayant préféré vivre en ville. Depuis peu, des inconnus, qui ne parlent pas sa langue, veulent traverser les montagnes, mais, sans guide, la plupart meurent en chemin. Moyennant un certain montant, le forgeron, le boulanger et le sculpteur, amis depuis l'enfance, accommodent les demandeurs. Je n'en dis pas plus. Ce récit peut être lu avec différentes lunettes. Je ne suis pas certaine d'avoir les clés pour en saisir toutes les subtilités, mais cela n'a en rien gâché mon plaisir de lecture, car, encore une fois, la beauté du texte et l'intelligence du propos sont au rendez-vous. Si vous désirez en savoir un petit peu plus sur ce livre en particulier ou sur d'autres titres, allez faire un tour sur le site des Irrésistibles à l'adresse suivante, irrésistible au pluriel sans accent, bibliomontréal.com.